Dit is dag 7 op de Via Podiensis met vandaag een etappe van 17 kilometer tot Saint-Côme-d'Olt, waar ik ga overnachten in het klooster van Malais. Daar kom ik Claire tegen uit La Réunion die gisteren in Asbinal haar wandelstok had vergeten. Dus heb ik de mijne geleend, want ik gebruik die niet zo vaak. Alors, ça va bien avec le bâton? Très bien, c'est mieux que mien. Oui, c'est bien. Vous allez le garder? Non, je vais pas le garder. Je vais vous prendre. Vous avez besoin, là? Pas encore, non, non, non. Il faut en profiter. Non, non, gardez-le. C'était de votre madame? Oui, c'est ça. Je l'ai dit. Oui. Il nous protège. Parfait. Je vous emmène. Merci. Allez, bonne continuation. Zo, jullie zijn de eerste Belgen die ik tegenkom. Wie zijn jullie? Ik ben Marcel. En ik Sophie. Sophie, en jullie komen uit? Greet-Oiseau. Greet-Oiseau, dat is de andere kant. Dat is in Waals-Brabant. Ja. Ik ging zeggen, de andere kant van het Meerdaalbos. Ja, absoluut. Ja. Waar zijn jullie gestart van dit jaar? Dit jaar in Asbinal. Asbinal, ja. Asbinal. Ja. Dus jullie zijn pas beginnen wandelen? Het is pas de tweede dag. Tweede dag. Ja, en tot waar gaan jullie? Tot aan Cahors. Cahors, dat is ongeveer 240 kilometer. Dat is een mooie tocht. Ja, ja. En doen jullie dat eigenlijk uit spirituele overweging of cultureel? Of? Misschien een beetje spiritueel. Spiritueel, meer spiritueel, maar niet voor zo bieden en zo, maar toch... Nee, maar toch regelmatig als er een mooi kapelletje is of zo, dan is een stokje Ja. Stop. Dat is goed. Ja. En denken jullie ooit in Santiago aan te komen? We hopen dat. Het is nog ver. We zouden graag... toch geraken tot aan de grens aan de Pyreneeën. Aan de Pyreneeën, en dan eventueel misschien de volgende keer een beetje verder in Spanje dan vertrekken om dan tot aan Santiago te gaan. Oké. Dat zouden we graag doen. Dat is goed, dat is leuk. Dan wens ik jullie nog, zoals we in Spanje zeggen, buen camino. Ja. Buen camino, ja. Dank je. En succes verder. Hè. En Utrea voor u ook. Zo, aankomst in Saint-Côme-d'Olt en alvorens ik ga overnachten in het klooster, bezoek ik vlug het stadje. Merkwaardig is de gedraaide vorm van de toren van de kerk. L'hôpitalière m'explique comment les sœurs à l'époque ouvraient la porte d'entrée. Les sœurs, là, oui, c'est pourquoi, là. D'accord. Voilà, je vous laisse. Hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ici, dans le monastère, se trouve une armoire avec des objets que les pèlerins ont oubliés ou simplement laissés et que tu peux prendre si tu pourrais les utiliser. Regardons ce qu'il y a dans l'armoire.
pour commencer, un livre en néerlandais en plus, de Carlos Ruiz Zafón. Peut-être une idée pour passer une nuit encore plus insomniaque. Et ici dans le coin, un matelas pneumatique bien plié dans un petit sac, peut-être un peu lourd pour traîner avec soi. Et le top dans cette armoire a pris deux bouteilles à gaz butane avec un brûleur tout neuf. Et comme extra, une petite casserole avec passoire intégrée. Tout à retirer pendant les heures de bureau dans le monastère malais à Saint-Condold jusqu'à épuisement de stock. Het is hier in Saint-Condold waar week 1 op de Via Podiensis eindigt. Er werd 158 kilometer afgelegd vanaf Le Puy-en-Velay, dwars door de regio Aubrac, tot in de beboste Vallei van de Lot. In week 2 zal verder worden gewandeld, onder andere dwars door de steden Estaing, Conques en Figeac.